Les gars, comment dire? Je vais agrandir un peu le screen. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, on a encore eu un bug, mais cette fois-ci, ça nous avantage encore, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah, vous pouvez voir, tout simplement, que cette bande de, je sais pas, de génies... Là, pour le coup, ça nous met bien, mais bon, quand même, on réussit à inverser des packs. Et en fait, il y avait des packs pour 60 cœurs à 288 tokens. C'est-à-dire qu'on avait l'équivalent de 6 multis pour 5 euros, x 2, donc 10 euros, vous avez 12 multis. Et ce n'est pas une offre promotionnelle. Par exemple, vous voyez, la multi pour Crimson à 180 tokens, c'est une offre promotionnelle. Ça, ils ne l'ont pas enlevé. Par contre, là, les deux packs que vous voyez, aussi le pack à 30 pour 888, c'était des packs qui n'étaient pas censés être là. En effet, ça se... Normalement, le pack là à 60, il coûte, je crois, 6000 tokens, un truc comme ça. Et ils ont inversé deux packs. Ce qui fait que je crois que bah, du coup, le pack à 10, il coûtait 6000. Et celui-ci, il coûtait 288. Et enfin, bon, enfin, je sais pas quoi dire. Du coup, ça veut dire que, bon, par contre, je vous préviens, hein, ça a été patché, évidemment, depuis longtemps. Malheureusement, j'ai pas pu en profiter, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Hein. En soi, c'est que pour des invocations, mais bon, quand même, j'avoue que je les aurais prises parce que ce 12 multi, bon, voilà, pour 10 balles, honnêtement, là, bon, j'ai dit que j'arrêtais de payer pour les invoques, mais bon, quand c'est une offre comme ça, faut pas déconner quand même, je l'aurais prise. Comme ça m'aurait pris d'avoir de drop tous les personnages. Bah jusque dans pas mal de temps quand même. Voilà. Au moins pour les vidéos, invocations et tout, ça aurait été cool. Bon, j'ai loupé l'offre. Sachez que cette offre ne sera pas retirée, ce qui paraît évident, contrairement aux gemmes qu'on ne peut pas dépenser. Et ben les cœurs, on peut les dépenser. Et ça serait un gros bordel, faudrait faire un reroll. Là par contre, faudrait vraiment faire un reroll serveur. Et en plus rembourser tous les gens qui ont payé, ça serait un gros bordel. Du coup, ceux qui ont payé avant ça, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas vos packs retirés, ça doit... Enfin voilà, ça serait illégal même carrément. À moins que ils arrivent, je sais pas par quel miracle, à reset les invocations, si vous en avez faites, à réenvoyer de l'argent que vous avez dépensé. Enfin, ça serait un bordel monstrueux, quasiment impossible à réparer. Donc, vous garderez vos packs contrairement aux gemmes, voilà, qui sont dans la box, et du coup, on peut les enlever un peu comme on veut. Là, forcément, les packs, ils peuvent rien faire. Après, bon, ça n'a pas non plus niqué l'économie du jeu, hein, parce que bon, c'était quand même assez tôt le matin, mine de rien. Bon, même pour les jeux, c'était quand même. C'était une heure normale, mais pour nous c'était assez tôt le matin. En plus de ça, c'est vraiment, bon, c'est entre guillemets que 12 multi. Donc c'était pas un truc infini. Parce qu'on en a vu des gachas qui ont eu des gros problèmes parce qu'ils avaient fait des failles infinies. Mais bon, ah, c'était pas infini, on pouvait pas dépenser un infini de l'argent. Ce qui fait qu'on pouvait mettre que 10 balles. Bon, ce qui est déjà vraiment pas mal. Aussi, serveur 2, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient deux packs comme ça. Deux slots de pack plutôt. Du coup, bah, serveur 2, il y avait 240 multi en fait, pour 20 balles. 240 multi, 24 multi pour 20 balles. Ça n'a aucun sens, vraiment, faut se rendre compte, ça n'a aucun sens. Ça nous fait à moins d'un euro la multi, c'est impossible, aucun gacha n'a un truc comme ça. C'est voilà, ça n'a aucun sens. Évidemment, on va aller sur le compte Twitter, je pense que j'y suis direct. Peut-être pas. Peut-être que je ne suis pas directement sur le compte Twitter. Voilà. On va aller directement chez eux. Comme on peut voir, il y a eu une maintenance. Et du coup, on a reçu 10 badges Crimson. Ce qui est un peu honteux parce que quand même, bah, il y a deux portails. Donc pourquoi pas envoyer 10 cœurs jaunes? Bon, déjà, pour ceux qui veulent économiser, voilà. Bon, voilà, ça c'est la politique hein, du jeu maintenant. C'est dégueulasse. Mais bon, voilà. Ils auraient dû envoyer deux cœurs jaunes, honnêtement. Mais bon, écoutez, hein, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dépensez-les, du coup. Ces 10 cœurs. Parce que de toute façon, ils disparaîtront. Enfin, voilà, peut-être pour un autre run de Crimson. Mais bon, voilà, ça. Ça ne change absolument rien. Bon bah voilà. Je pense qu'on va se retrouver chaque semaine pour des petits bugs comme ça. Voilà, ça fait plaisir. C'est, je vais pas pousser un coup de gueule parce qu'en soi, bon, ça fait chier parce que moi j'aurais bien voulu prendre des packs. Mais bon, c'était un bug, hein, faut s'en rendre compte. Hein, normalement, on n'était pas censé avoir ça. Du coup, c'est à peu près normal. Mais du coup, voilà, GG pour ceux qui étaient là le matin et qui du coup ont pu acheter les packs. Et ils se mettent ultra bien parce que bah, ils ont une pitié. Une pity pour 10 balles, c'est du jamais vu. Hein. Une pity, normalement, c'est 100 euros à peu près. Si vous partez de zéro, là, pour 10 balles, ça n'a aucun sens. Hein, vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Même plus d'une pity d'ailleurs. Enfin, bref.
On se retrouve du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo en espérant que ce ne sera pas une vidéo sur un bug. Voilà.